Hola, soy Valentín Álamo, soy venezolano, vengo de Caracas y estudio en el segundo año de la sección Amerinza. Je m'appelle Lucille Balanza, je suis française et j'habitais en Normandie à Caen. Bon dia, je m'appelle Pedro, je suis brésilien, je viens de Curitiba, là au sud du Brésil. Je m'appelle Jean-Alexandre Cronet et je viens de la région de Martinique. Je me llamo Sergio Ramírez, vengo de la Ciudad de México. La filière internationale Amerinza a comme spécificité d'accueillir des étudiants latino-américains qui sont donc brassés dans cette filière avec les étudiants français classiques insaliens. Donc ça reste pour des étudiants qui sortent de lycée, donc avec un bac, donc pour des étudiants français qui sortent donc des lycées français avec une spécialisation scientifique. Et puis une partie d'étudiants donc d'Amérique latine, différents pays, qui sortent aussi de lycées, équivalent bac français, ou qui ont fait une première année d'université. Donc à côté, bien sûr, il y a des cours, en plus des cours scientifiques de base, des cours qui, pour les aider, que ce soit des cours de langue, type langue étrangère. Alors pour les étudiants français, ça va être de l'espagnol ou du portugais. Pour les étudiants étrangers, la langue française. Mais à côté, donc ça va être des cours, que ce soit au niveau de la civilisation, l'Europe, l'Amérique latine. Bom, eu escolhi o Amerinza em primeiro lugar por estar numa grande escola francesa de engenharia e depois por que o Amerinza aporta para nós uma grande mistura cultural e um aprendizado de línguas e diversificações muito grande. Je voulais revenir un peu à mes racines et puis découvrir une autre culture, voir ce que c'était l'Amérique latine. Yo elegí la filière Amerinza de inicio porque yo soy latinoamericano, porque el nivel de estudios en el INSEE es muy bueno y la adaptación y la internacionalización es muy bien respetada aquí. Le mélange des nationalités en Amerinza et dans les filières internationales en général hein, permet aux élèves de côtoyer dès leur première année en enseignement supérieur d'autres élèves et d'ouvrir au point de vue culturel et scientifique leur univers. Amerinza, d'un point de vue professionnel, m'a ouvert sur l'Amérique latine, ce qui m'a poussé ensuite à faire un double diplôme au Brésil. Et donc, grâce à ça, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur brésilien. Le côté multiculturel est très intéressant parce que il nous permet de nous approcher un petit peu des différentes parties du monde et si on veut travailler dans une optique internationale, c'est plus intéressant. Mon projet professionnel serait de travailler dans une grande entreprise, me former ingénieur mécanique et être un ingénieur international, travailler dans plusieurs entreprises du monde, voyager pour tout ce qu'il y a. Comme projet professionnel, j'ai le d'étudier aéronautique ou ingénierie mécanique et après faire un doctorat plus spécialisé en aéronautique. Moi, ce que je voudrais, c'est justement travailler dans le génie civil et pouvoir voyager partout, notamment en Amérique latine, et travailler dans tout le monde entier. Dans un contexte de forte concurrence internationale, la démarche de la filière Amerinza est une démarche proactive de coopération avec l'Amérique latine. Elle a pour but d'abord de promouvoir la diversité, l'interculturalité, l'interdisciplinarité, pour innover dans un monde qui est devenu de plus en plus complexe et de plus en plus pluriel. A los estudiantes latinos y mexicanos les recomiendo estudiar en la filière Amerinza porque es un programa especial para ellos. Pour définir Amerinza dans un seul mot, le mot serait famille. Pour moi, Amerinza c'est la convivialité. Amerinza para mí sería como mi segunda casa. Je dirais opportunité. Pour moi, Amerinza en un mot, c'est la fiesta. J'aurais pas connu des gens, des Vietnamiens, des Chinois. J'aurais pas fait une école d'été avec eux. J'aurais pas pris le français comme la langue d'étude. Et ça change toute l'histoire.